Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de DogDog Gamers. Ça faisait longtemps, très longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouvel épisode. Il faut dire que Dr Nozman et moi-même sommes plutôt occupés entre les études, le boulot et les projets perso. Dizzy's pour ceux qui connaissent, mes jeux en ce qui me concerne puisque je fais quelques petits jeux aussi, et un projet de chaîne YouTube que j'ai lancé il y a pas très longtemps et qui a pour but de vous expliquer plein de choses sur le game design. Voilà. Comment sont faits les jeux, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un bon jeu, etc. Donc, je mettrai un petit aperçu dans la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et du coup, après tout ce temps sans vidéo, je me suis dit, j'ai de la matière, je vais faire un nouvel épisode de DogDog Gamer, et on va un petit peu ranimer la chaîne. Donc, pour ceux qui seraient arrivés entre-temps, DogDog Gamer, l'objectif de la chaîne, c'est de vous présenter des petits jeux indépendants, des petits jeux pas trop connus et qui valent le coup d'être joués. Et souvent gratuits en plus. Donc là, c'est le cas. Donc c'est un jeu qui a été fait pendant le Ludum Dare, qui est une grosse compétition de jeux en ligne où pendant 48 à 72 heures, on crée un jeu seul ou en équipe. Il s'appelle Leave Me Alone, ce jeu. Il a été créé par Mark Foster pour les graphismes et le code et David Fenn pour la musique, qui est très sympa. Donc déjà, premier très bon point pour ce jeu, il est très mignon, c'est tout mignon, voilà, il faut le dire, c'est super mignon. Et il a aussi de très bonnes références, parce qu'ils se sont inspirés de Zelda Wind Waker, qui est mon préféré, hein, mais aussi de Fez et Proteus, pour ce qui est de l'ambiance du jeu et du jeu en général. Donc ce qui explique qu'on ne trouve pas d'ennemis dans le jeu, et que ce soit surtout basé sur l'exploration. D'ailleurs, côté exploration, vous remarquez que le personnage, il est tout petit à l'écran, et qu'on a de grands décors dans lesquels on peut se balader librement. Donc tout ça, bien sûr, ça joue énormément sur le sentiment d'exploration, le fait que cette ambiance très sympa, quoi. Et qui donne bien envie d'aller fouiller tous les recoins. Donc là, je vais grimper à cet arbre. Donc, ah oui, petite chose que je tenais à préciser. Je vous rappelle que le jeu a été fait en 72 heures. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le son est spatialisé. Alors ça, j'ai trouvé ça excellent. Pour un jeu fait en 62 heures, je me suis fait « Waouh, le son est spatialisé, quoi !» Là, on a une petite musique très très sympa. Et dès qu'on monte, la musique, elle s'estompe au fur et à mesure. Et on n'entend plus que le chant des oiseaux et le bruit du vent. Donc c'est assez excellent. Même les petits oiseaux qui s'envolent, etc. Waouh. Et donc là, on a récupéré le premier objet du jeu, puisqu'il y en aura, d'autres. Donc je vous laisse quelques surprises quand même. Donc qui est une feuille qui permet de planer. Donc voilà. Et qui va bien sûr énormément jouer sur l'aspect exploration du jeu et nous permettre d'atteindre des endroits qui étaient avant inaccessibles. Alors je vous rappelle que le jeu a été fait en 72 heures, c'est pour ça que les découvertes se font assez rapidement et que le jeu est pas très très long. Alors là, je viens de récupérer une petite boule de lumière. On sait pas trop à quoi elle sert. Du moins, moi je le sais parce que je termine le jeu, bien sûr. Mais vous, vous savez pas. Et vous saurez pas quand vous jouerez parce que je vous le dirai pas. Et justement, c'est aussi un des trucs du jeu. C'est aussi l'inspiration Fez, c'est-à-dire, et même Proteus. C'est-à-dire qu'on découvre le jeu, on découvre des objets. Et l'intérêt, c'est aussi de découvrir leurs utilités. Comment avancer dans le jeu, à quoi servent les différents objets. C'est aussi ça, le côté exploration, qui est tout à fait sympa, quoi. Donc là, on est dans un petit tronc d'arbre. Il va falloir faire une ascension, voilà. Il va falloir monter tout en haut du tronc d'arbre. Alors, on a un nouvel élément, du coup, de gameplay. C'est ces fleurs qui permettent de nous projeter un petit peu quand on est sur la feuille. Enfin, quand on déploie notre feuille. Donc, encore une fois, je le souligne, c'est vraiment impressionnant qu'on ait plusieurs environnements comme ça pour un jeu fait en 72 heures. Parce que moi, j'ai participé à la jam, j'ai fait un jeu en 72 heures tout seul, et je peux vous dire que ça n'a pas du tout la même gueule. Le jeu est arrivé premier, quand même, sur plus de 700 jeux réalisés en 72 heures. Ce qui est pas mal du tout, c'est un petit exploit plutôt sympa. Moi, j'aimerais bien arriver premier un jour. Du Ludum Dare, ça ferait bien plaisir. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner sur d'autres projets de ce game designer, qui s'appelle donc Mark Foster, n'hésitez pas à aller sur son site, hein, vous tapez Mark Foster sur Google, normalement ça devrait marcher. Il travaille notamment sur un petit jeu qui s'appelle Chroma,
avec un héros tout mignon aussi qui ressemble beaucoup à celui-ci, et avec plein de bonnes idées de gameplay, donc un jeu qui promet d'être très sympa. Donc là, je continue mon ascension. En fait, faut activer plusieurs boutons pour débloquer des passages. Alors, j'aurais dû commencer par la droite. Hop là. Et là, on va tomber sur un passage un petit peu mal foutu du jeu. Bon, après, voilà. Vu le temps imparti, c'est vraiment bien. C'est sûr que tout n'est pas parfait. En fait, le truc, c'est qu'il faut, arriver en haut, là. Au-dessus. En arrivant à prendre assez d'élan avec les trois fleurs. Et en fait, c'est hyper galère. Alors, moi, j'ai un peu d'entraînement, donc normalement, je devrais pas trop galérer. Mais il faut pile prendre l'accélération au bon moment à chaque fois, sinon on va pas assez haut, donc ce qui est assez chiant. Ça va pas le faire. Oh non, oh c'est difficile. Et vous verrez, hein, parce que si jamais vous le faites, ah non, j'y étais presque, vous allez galérer. Voilà, ouh, c'était tout juste. Un petit écureuil, un roi écureuil, voilà. Concept original, j'apprécie beaucoup. Bon, il sert à rien, c'est juste pour le fun. D'ailleurs, le développeur l'a dit, hein, il avait juste envie de mettre un écureuil en haut de l'arbre, il l'a fait, et puis basta. C'est aussi ça, l'avantage du Loudener, c'est qu'on peut se taper des petits délires, puisque ce sont des jeux faits en 72 heures, c'est pas trop grave. D'ailleurs, c'est un petit délire très sympa, hein, ça emmerde personne. Ça rajoute un petit peu d'ambiance, c'est le roi de l'arbre, petit écureuil. Et donc là, un nouvel environnement, avec en plus une nouvelle mécanique de jeu qui sont ces petits nuages qui soufflent, et qui s'arrêtent de souffler parfois, et en fait il faut les prendre au bon moment pour être projeté, comme ça. Hop. Alors, là je vais essayer de... Ah non, j'ai raté. Souffle, petit nuage, souffle. Ah, il veut pas souffler au bon moment, là. En fait, faut que j'attende qu'il souffle au bon moment, là, ça devrait être bon. Voilà. Là, il faut que j'attende qu'il arrête de souffler. Donc, vous voyez les petites mécaniques de jeu qui sont utilisées pour faire des petits moments, des petits passages un petit peu réflexion, réflexe. Bon, c'est pas bien compliqué, c'est pas bien méchant, mais... Mais il y a toujours cette sensation d'exploration sur laquelle ils ont beaucoup joué, je vous dis, notamment par les environnements et le personnage qui est tout petit à l'écran et qui permet de voir énormément de choses autour de soi. Donc ça joue beaucoup beaucoup sur le feeling d'exploration. Et là, on va débloquer un nouvel objet, qui est cette graine. Et je pense que je vais pas vous dire à quoi elle sert. Ouais, il suffirait que j'appuie sur X pour que vous voyez ce que ça fait. Je vais pas le faire. Et je vais vous laisser ici. Parce que... Voilà. Je pense que vous avez tout intérêt à faire le jeu vous-même. Il est très sympa. Il est pas trop long. Vous devriez pouvoir le terminer en à peu près une vingtaine de minutes, je pense. Et ça vaut largement le coup. C'est gratuit, bien sûr. Donc, je vous mettrai tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Je vous souhaite paix et prospérité, comme à notre habitude, à Nozman et à moi. Et je vous laisse pour un prochain épisode de Dog Dog Gamers. A bientôt. Tchuss.